La civilisation humaine, suite à son tragique anéantissement, n'a laissé derrière elle que de rares vestiges que seule la science et la reconstitution 3D nous permettent de comprendre aujourd'hui. Sur ces images de synthèse, nous pouvons contempler des exemples de bâtiments parmi lesquels a certainement vécu un homme, du nom de Stanislas Leszinski. Ce spécimen est l'un des seuls dont l'identité et le destin sont parvenus jusqu'à nous. Par bribes, la reconstitution de la vie de Stanislas a permis aux archéologues de faire d'énormes découvertes sur ce peuple primitif et méconnu autrefois appelé « humanité ». Qui était-il? Comment vivait-il? Percerons-nous un jour le mystère Stanislas? Des scientifiques, historiens et biologistes se sont longuement interrogés sur la question. Leurs recherches, sur le terrain et en laboratoire, ont permis de lever le voile sur les objets mystérieux retrouvés lors des fouilles sur la planète. Après des décennies de travaux autour de la question humaine, nous sommes à présent en mesure de savoir comment les êtres humains utilisaient ces objets. Nous pouvons ainsi nous projeter et imaginer comment Stanislas se nourrissait. Comment les humains faisaient de l'art. Où nourrissaient leurs petits. Les scientifiques découvrent également des objets dits cultuels, indiquant que les êtres humains avaient des icônes et un intérêt marqué pour la religion. Si nous nous intéressons à Stanislas, c'est parce qu'il est en réalité le seul être humain dont nous avons retrouvé un fossile. Un trésor archéologique sous la forme d'un écrin très dur et de matière inconnue qui renferme, nous en sommes quasiment sûrs, le corps parfaitement intact de Stanislas. Le fossile permet aux scientifiques de découvrir, par exemple, que les êtres humains mesuraient environ 4 mètres de haut. Cette information laisse à penser, au regard d'autres vestiges trouvés par les archéologues, que les équipements conçus par les terriens étaient totalement inadaptés à leur propre taille. C'était un peuple arriéré, on peut le dire, mais le mystère Stanislas, ce sur quoi les scientifiques s'interrogent, c'est ce geste. En fait, le fossile a la main levée et le doigt qui pointe vers le haut, comme pour montrer quelque chose. La question qu'on se pose tous, c'est donc, qu'est-ce qu'il voulait montrer? Pourquoi Stanislas s'est-il figé ainsi au moment de sa mort? Qu'est-ce qu'il voulait désigner? C'est un grand mystère et c'est ce que nous essayons de découvrir. Il y a eu de nombreuses théories sur ce geste qui menaient à s'interroger sur la disparition de l'être humain en général. On a tout entendu, conflit nucléaire, ère glaciaire, mais aucune preuve de rien et surtout aucune explication de ce fameux geste. Cela m'a toujours exaspéré, je vous assure, plus d'une fois cela m'a fait perdre mon sang-froid. C'est en travaillant sur le fossile lui-même, notamment sur la matière qui le recouvre, que nos laborantins ont découvert la vérité. L'humanité a été engloutie par une météorite. Alors le doigt de Stanislas prend tout son sens. Il faut arrêter d'écouter les théories farfelues d'incompétents. D'après les scientifiques, le mystère serait en partie résolu. Stanislas, le seul être humain dont nous avons pu étudier le corps, aurait aperçu la météorite, et c'est dans un geste ultime, inutile et désespéré qu'il aurait tenté de sauver son espèce de sa fin inexorable en levant son fameux doigt et en s'exclamant « Derrière vous !»
Dans le prochain épisode d'Archéodoc, retrouvez nos experts à la même heure sur Xeno TV afin d'élucider d'autres énigmes que nous ont laissées nos voisins déchus dans un double épisode pour découvrir quels secrets se cachent derrière le sourire de Mona Lisa et de celui de la vache qui rit. Thank you.